Si vous cherchez à ajouter un investissement à votre portefeuille immobilier, eh bien, j'ai une propriété semi-commerciale sur la rue Sherbrooke, en plein cœur de Montréal, à vous présenter. En anglais, on appelle ça une « prime location ». On est sur Sherbrooke West, dans le secteur Notre-Dame-de-Grâce, et quand je parle aux gens qui déambulent sur la rue, aux propriétaires, même aux locataires qui habitent dans le coin, les gens me partagent que ce qu'ils apprécient vraiment, c'est le fait d'avoir une multitude de différents commerces à proximité. C'est vraiment ça, la vie de quartier. Et quand on regarde de façon générale l'emplacement, on est tout près des universités et proche du centre-ville, qu'on peut accéder soit à vélo, soit en autobus qui mène au métro. Vraiment facile d'accès, un emplacement vraiment stratégique. Je tourne le coin du bâtiment, on va aller voir l'arrière de la propriété pour vous donner une idée de la condition générale du bâtiment. Allons voir ça ensemble. Je commence par vous montrer les deux logements commerciaux, le premier étant un sympathique café, l'entre-deux. Le deuxième logement commercial à ma droite, c'est un commerce en fait qui produit et qui vend des prothèses. On va aller voir de quoi il s'agit. Il y a la réception au rez-de-chaussée. Et lorsqu'on descend les marches juste ici, on aperçoit l'usine où ils produisent ces prothèses-là. On est maintenant dans la partie du sous-sol où on fabrique les prothèses juste ici. C'est une partie qui est accessible par le rez-de-chaussée. On descend quelques marches et on tombe dans cet atelier qui est vraiment intéressant et surtout très spacieux. Je vais maintenant vous montrer les quatre logements résidentiels. Ce sont quatre, quatre et demi. Et sur les quatre, il y en a trois qui ont été rénovés. Je vous montre de quoi a l'air chacun des logements. On commence avec les deux du haut. On commence la visite des logements résidentiels avec l'appartement 4 qui est juste ici. L'appartement 3 qui est actuellement vacant est rénové. Vous allez pouvoir décider de soit l'habiter ou soit le louer au montant de votre choix. On descend un niveau plus bas et on a évidemment les deux autres 4,5. On va aller voir maintenant la porte 2 qui est un 4,5 rénové. Je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais les locataires sont extrêmement gentils. Vous allez avoir le plaisir de les avoir comme locataires. Maintenant, le dernier logement, la porte 1, le 4,5 rénové, très grand. C'est un peu comme au jeu de Monopoly, hein? Qui va avoir la chance de mettre la main sur cette belle propriété? Je suis curieux.